Qu'est-ce qu'on fait normalement dans un sujet de SI ou bien de STA? Alors, on vous donne un mécanisme à étudier, on vous pose une partie d'études système et on vous donne par la suite une étude cinématique et géométrique pour déterminer la loi entrée et sortie du système. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, on va traiter un problème. Ils vont parfois, donc en fait, géométrie de masse pour préparer l'étude cinétique et dynamique et énergétique. D'accord? Et puis, on pose un problème, une partie de dynamique et ou une partie énergétique. D'accord? Souvent, bah, parfois, on se contente d'une étude dynamique, du coup. Et parfois, donc, on pose le problème énergétique. D'accord? Donc, sujet passé, je pense que j'ai remarqué qu'il y a uniquement la partie dynamique. Donc, voilà. Donc, pour la partie énergétique, c'est une partie qui permet de trouver finalement la loi du comportement ou bien l'équation de mouvement qui relie l'actionneur avec les efforts extérieurs. Donc, là, deux notions importantes dans ce chapitre. C'est la notion de la puissance que j'ai présentée la séance passée et la notion de l'énergie cinétique que nous avons donc en fait vu ça avant, lorsque j'ai présenté les paramètres donc cinétique, torsion dynamique et énergie cinétique. Alors donc en fait on sait comment déterminer donc en fait on a appris comment déterminer l'énergie cinétique, mais nulle part on l'a utilisée. Mais dans ce chapitre on va l'utiliser. Alors la puissance. Principalement, la puissance pour le cas d'un solide indéformable, on se trouve finalement que c'est le produit du torseur donc statique fois le torseur donc cinématique. On voit ici, donc je parle de cette partie. Donc en fait, finalement, la puissance développée par l'action mécanique du sigma sur S. Dans le mouvement de S par rapport à R, c'est le torseur d'action mécanique de sigma sur S fois le torseur cinématique de S par rapport à R. Donc, il suffit de savoir c'est quoi l'action et par rapport à quel repère. Donc, en fait, c'est facile à déterminer. Alors, puis, donc, en fait, vous avez une remarque que cette puissance dépend du repère choisi. On a démontré ça. Donc, en fait, c'est logique. Lorsque je calcule la puissance par rapport à un repère, bien évidemment, ça dépend du repère. Mais par ailleurs, et on a fait une application, vous vous rappelez bien de ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait avec vous? J'ai fait comment déterminer la puissance mutuelle, la puissance intérieure ou bien la puissance développée par les actions mutuelles entre deux systèmes matériels. Alors, cette puissance ne dépend pas du repère choisi. Et du coup, on utilise cette notation. On note cette puissance par puissance entre sigma et E, double flèche. Et vous avez en fait le choix de choisir le repère qui vous convient pour calculer cette puissance. Quel que soit le repère choisi, vous allez retrouver la même chose. Attention, ici, j'ai essayé ici avec cet exemple qualitativement de comprendre l'importance de cette remarque. Donc là, donc, vous avez par exemple pour calculer la puissance mutuelle ici au niveau de cette liaison. Donc, en fait, il y a un étudiant qui peut intégrer R0, l'autre qui peut intercale uniquement 1. Et donc, là, il va dire la puissance de 1 et 2, la puissance mutuelle entre 1 et 2. Donc, en fait, c'est la puissance de 1 sur 2 dans le mouvement de 2 par rapport à 1 tout court, parce que celui-là est égal à 0. Donc, au lieu de calculer deux morceaux ici, donc on se trouve avec un seul morceau, et je pense que c'est une solution donc intelligente. Oui. Il faut que je rajoute une chose ici, une liaison parfaite d'un point de vue énergétique. Alors, si vous avez ça, cette hypothèse, la liaison est parfaite. Alors, la puissance mutuelle, bien sûr, entre 1 et 2, la puissance mutuelle entre 1 et 2 est nulle. Et ça, c'est une remarque très importante, parce que d'habitude, dans les exercices, on vous donne ces hypothèses. D'accord? Alors, puis, qu'est-ce que j'ai? Voilà, donc en fait, j'ai traité avec vous la liaison ponctuelle. Dans le cas de cette liaison, il y a deux conditions pour dire que cette puissance mutuelle est nulle. Ou bien la liaison est parfaite, ou bien il y a la condition de roulement sans glissement. Donc attention ici, parfois dans des sujets, dans des exercices,
On vous dit que la liaison n'est pas parfaite, mais il y a la condition de roulement sans glissement. Et dans l'exercice, ils sont obligés de calculer cette puissance mutuelle entre 1 et 2, ou bien la puissance développée par l'action mécanique de 1 sur 2. Dans ce cas, tu peux dire que c'est égal à 0. On va traiter ça dans des exercices. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un TD, hein. Bien. Donc là aussi, j'ai traité avec vous le cas de la liaison hélicoïdale. Et pour la liaison hélicoïdale, donc je vais montrer comment, en fait, pourquoi vraiment le torseur statique pour la liaison hélicoïdale égale moins si si le filetage est à droite. D'accord? Pourquoi c'est moins si le filetage est à droite? Alors, pourquoi L12 égale moins pi sur 2 pi fois X12 si le filetage est à droite? Parce que tout simplement, si la liaison, enfin, on commence par une liaison parfaite, et là, le torseur cinématique, vous le savez, c'est plus si le filetage à droite, moins c'est si le filetage à gauche. Si je vais dire qu'il s'agit de liaison parfaite, alors la puissance mutuelle est nulle, et du coup, je me trouve avec ce résultat. Donc, regardez ici, Vx, x12 plus L12 oméga x égale à 0. Et là, donc, en fait, L12 égale moins Vx sur oméga x et x12 et moins Vx sur oméga 12 sur oméga x, c'est égal plus le pas sur 2 pi si j'utilise le torseur cinématique puisqu'il s'agit d'un filetage à droite. Et du coup, voilà le signe moins qui apparaît ici. Donc, en fait, qui justifie ce que nous avons donné comme torseur statique pour la liaison hélicoïdale. Bref, là, j'ai essayé ici, voilà, donc le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, et c'est ça, en fait, tout ce chapitre, donc, est basé principalement sur ce théorème. Parfois, ce chapitre, je l'appelle théorème de l'énergie puissance, ou bien théorème de l'énergie cinétique, parce qu'au bout du fil, on va énoncer ce théorème. Alors, je vais démarrer, comme je l'ai présenté la séance passée, à partir du PFD. Et donc, PFD, ça veut dire quoi? L'égalité du torseur dynamique et l'égalité avec le torseur statique. Et je vais multiplier à gauche et à droite par le torseur cinématique, comme vous voyez ici. Alors, donc, à gauche, c'est le torseur dynamique fois le torseur cinématique, comme vous voyez ici. À droite, c'est la puissance. C'est la puissance. Parce que c'est le torseur statique fois le torseur cinématique. C'est la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à S. Donc, puis, qu'est-ce que l'autre fois, en fait, lorsque je me suis arrivé ici, il y avait un problème de connexion, mais je n'ai pas peut-être terminé ça, pardon, et démontré ça. Alors, donc, là, j'ai commencé par là. Donc, au bout du fil, j'ai la puissance, comme vous voyez ici, la puissance de S bar sur S dans le mouvement de S par rapport à RG égale le torseur dynamique fois le torseur cinématique. Alors, je me suis basé sur la définition du torseur dynamique. C'est l'intégrale de gamma de T appartenant à S par rapport à RG. Il s'agit toujours d'un solide, d'un seul solide. Hein. Et le moment, c'est l'intégrale de AP vectoriel de gamma. Et pour le torseur cinématique, vous connaissez la définition, c'est oméga et la vitesse de A appartenant à S. Alors, je vais faire le commandement. Si je fais le commandement, je me trouve avec ça. Quand je fais ce calcul. Donc, c'est l'intégrale de gamma scalaire la vitesse plus oméga scalaire AP vectoriel gamma. Alors, pour la vitesse, on va essayer on va, enfin, on va la remplacer, cette vitesse, par cette expression. Alors, c'est la vitesse de P appartenant à S par rapport à G plus AP vectoriel oméga. Alors, si je développe dans ce cas l'intégrale de gamma scalaire vitesse de AP égale l'intégrale de gamma C appartenant à S par rapport à RG scalaire la vitesse, moins oméga de S par rapport à R scalaire l'intégrale de AP vectoriel gamma. Bien. Alors ça, c'était la séance du 24. Du 24. J'ai terminé ça à 1h47. Il y avait un problème de connexion. Alors, je vais maintenant terminer sur ça très rapidement. Ça se voit, en fait, ici, on peut simplifier par ces deux morceaux. D'accord? Plus oméga, moins oméga.
Donc, qu'est-ce que je trouve au bout du fil? Je trouve que la puissance de S bar sur S dans son mouvement par rapport à RG, si vous voulez, par la suite, je peux partager ce document avec vous. Hein. Donc, égal quoi? Donc, celui-là va être simplifié avec ça. Et il me reste que ce morceau. Il va me rester ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'intégrale pour P appartenant à S de gamma de P appartenant à S par rapport à RG, DM, non, pardon, scalaire, la vitesse de P appartenant à S par rapport à RG, DM. Donc là, ça c'est quoi en fait? Ça c'est égal. Gamma c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse. Donc en fait c'est égal dérivée par rapport au temps de 1 demi, l'intégrale pour P appartenant à S de la vitesse de P appartenant à S par rapport à RG au carré DM. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si je dérive, ça va être 2 fois la vitesse, fois la dérivée de la vitesse qui donne gamma. Et le 2 avec le 1 demi, ça s'en va. Mais tout ça, c'est quoi? Tu peux me répondre. C'est quoi 1 demi l'intégrale de la vitesse de P au carré dm? C'est quoi ça? L'énergie cinétique. Tout à fait, ça, c'est l'énergie cinétique. Donc, au bout du fil, là, je peux dire, voilà, donc en fait, c'est égal. Donc, dérivé par rapport au temps de l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à RG. Toujours, je dis par rapport à RG. Hein. Parce que, dès le départ, on a commencé avec quoi? Donc, en fait, avec l'hypothèse d'un repère galiléen. On a appliqué le PFD. On a commencé par le PFD. Donc, nécessairement, je l'applique par rapport à un repère galiléen. Et donc, il faut absolument adopter cette hypothèse. Bien, donc en fait, il suffit de calculer l'énergie cinétique et il suffit de calculer la puissance. Et là, voilà le théorème de l'énergie cinétique. Donc, je vais voir qu'est-ce que j'ai écrit ici. Voilà, le théorème de l'énergie cinétique, c'est là. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à un repère galiléen est égal à la puissance des actions mécaniques extérieures à S dans son mouvement par rapport à G. Voilà, voilà le théorème de l'énergie cinétique. Dérivée de l'énergie cinétique égale la puissance développée par les actions mécaniques extérieures. Alors, voilà ça, c'est, n'oubliez pas que là, je travaille avec un seul solide. Hein. C'est le cas d'un seul solide, c'est marqué ici. C'est le cas d'un seul solide. On est d'accord là-dessus? Donc, s'il y a un ensemble de solides, donc on va voir ça, qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, j'ai étude de cas, donc en fait, j'ai un problème ici. Bon, je vais proposer un sujet que nous avons déjà traité. D'accord? Nous avons déjà traité. C'est quoi ce sujet? Alors, regardez ici. Il s'agit ici de cas, je vais prendre bras de robot, que j'ai traité tout à l'heure. Bras de robot. On est d'accord là-dessus? Bras de robot. D'accord? Alors, le bras de robot, donc je vais vous donner ça. Ça, c'est la liaison pivot. Et ça, c'est le bras. Ou bien, je peux faire autrement. Je peux faire comme ça. Non, c'est pas ça. Là, je vais effacer tout ça. Donc, je peux effacer tout ça. Je vais faire comme ça. C'est ça le bras de robot. Donc, ça, c'est une tige. Ça, c'est 1. Ça, c'est S0. D'accord? Ça, c'est O. Et ça, c'est G1. Alors, 1, admettons que c'est une tige.
de masse M et de longueur L. D'accord? Je vais rajouter le système d'axes. C'est-à-dire que ça, c'est X0. Et ça, c'est Y0. D'accord? Z0 est sortant. Voilà Z0. Puis, je vais rajouter le repère attaché à S1. Ça, c'est X1. Ça, c'est l'angle alpha de T. Et ça, c'est Y1. Donc là, je vais rajouter OG1 égale L sur 2 X1. Et je vais donner la matrice d'initié au point O, et O de 1, sachant que vous êtes capable de déterminer ça, c'est égal. Donc là, c'est égal. Donc 0 ici, parce que vous avez x, y sont nuls, donc ça c'est 0. 0 ici, 0 ici. Vous avez ici 0, ça va être m, je veux dire ici m, l au carré sur 3, 0, et ici c'est 0, 0, m au carré sur 3. Dans R1. D'accord? Je vous donne aussi qu'il y a, je précise ici qu'il y a un moteur qui va appliquer une action mécanique ici. Ça, c'est un moteur, couple moteur. Alors, le torseur d'action mécanique du moteur sur 1, donc égal au point O, vous avez ici 0, c'est un torseur couple, CM. Z0. D'accord? Et puis, je vais dire que l'action de la pesanteur G est égale. Donc, si vous voulez, je vais dire c'est égal, si vous voulez, moins G, Y0. C'est pas méchant, je vais traiter ça. Je vais prendre le cas de difficile. J'aurais dû prendre que c'est porté par Z0 et donc là, il n'y aura pas en fait d'action mécanique. De puissance, pardon. De puissance. Alors là, donc en fait, c'est bon. La première question que je vais poser est la suivante. Voilà la première question. La première question est la suivante. Question 1. Bien évidemment, il s'agit d'un seul solide, c'est 1. Alors, je vais vous demander de déterminer la puissance développée extérieure à 1, 1 bar sur 1 dans son mouvement par rapport à R0. D'accord, mais avant ça, j'aurais dû en fait demander l'énergie cinétique, mais ce n'est pas méchant. Alors je vais commencer par répondre sur ça, sachant qu'on a traité ça, mais ce n'est pas méchant, je vais refaire ça du coup doucement. Alors, puissance développée par 1 bar. Ici, 1 bar, c'est quoi? Vous pouvez répondre. 1 bar c'est 0. G et le moteur. D'accord là-dessus. Alors, la puissance de 0 sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à R0. Alors, je vais rajouter ici une hypothèse. Je vais rajouter ici une hypothèse. La liaison pivot d'axe OZ0 est parfaite. D'accord? La puissance de 0 sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est égal à quoi? Qui peut me répondre? Amine, peux-tu me répondre, s'il vous plaît? Oui, j'entends là. Oui. C'est égal? Zéro. Zéro. Pourquoi? Liaison parfaite. Très bien, car liaison parfaite.
Ce qu'on connaît dans le cours, c'est que c'est égal à zéro pour une liaison parfaite pour lorsqu'on calcule la puissance mutuelle. Mais là, donc, en fait, aussi, c'est une puissance mutuelle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que ça, en fait, juste, je vais écrire quelque chose que je vais l'effacer. Donc, la puissance de 0 sur 1, pour les gens qui n'ont pas compris. Donc, je peux rajouter la puissance de 1 sur 0, 1 sur 0, dans le monde 0 par rapport à 0. Mais ça, c'est quoi? C'est 0. Et donc, ça, c'est la définition de la puissance mutuelle entre 1 et 0. D'accord? Et voilà, donc, en fait, si la liaison est parfaite, ça, c'est égal à 0, si la liaison est parfaite. Et donc, celui-là est égal à 0. D'accord? Voilà, c'est pour ça, donc, en fait, on peut dire directement, c'est égal à 0 et la réponse de votre collègue est bien correcte. Donc, c'est ce qu'il faut absolument dire. Hein. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vais faire la puissance développée par le moteur. La puissance développée par le moteur sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à R0. Donc, c'est égal torsion d'action mécanique du moteur sur 1 fois le torsion cinématique de 1 par rapport à R0. Ça, je l'ai traité déjà et je vais choisir le point O. Donc, c'est égal 0 CMZ0 au point O fois quoi? Le torseur cinématique, c'est alpha point Z0, 0. Et donc, ça donne quoi? Ça donne CM alpha point. Je vais multiplier, en fait, le moment fois la résultante. Et puis, qu'est-ce qui reste de puissance? Reste la puissance de G sur 1 dans son mouvement par rapport à R0. Alors, c'est égal. Aujourd'hui, en fait, je vais utiliser le point G1. C'est peut-être plus facile de calculer ça. Bon, enfin, vous pouvez utiliser même le point O. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais utiliser G1. Donc, ça va être M. M. Pardon. Ah, non. Ah, ça, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est, pardon. MG moins MG Y0. D'accord? Parce que j'ai donné déjà G ici, vous voyez. Et là, c'est 0. Et le moment, la torsion cinématique, c'est alpha point Z0. Parce qu'en fait, c'est le torsion d'action mécanique de G sur 1 fois le torsion cinématique de 1 par rapport à R0. Je peux répondre directement. Je gagne un peu de l'espace. Alpha point Z0. Et la vitesse de G1, ça va être L sur 2. Alpha point Y1, vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient. Vous pouvez dériver, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même répondre directement. Ça se voit que c'est L sur 2 alpha point Y1. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins mg, L sur 2 alpha point, donc Y0 scalaire Y1. Mais Y0 scalaire Y1, qu'est-ce que ça va donner? Y0 scalaire Y1, ça va me donner, si vous regardez ici, donc ça va me donner, qu'est-ce que ça va me donner? Tu peux me répondre. C'est moins mg, L sur 2 alpha point, cosinus alpha. Bien! Yeah. Ça, c'est bon. Donc, en fait, la puissance maintenant, la puissance, ça y est, j'ai terminé. Donc, en fait, je peux écrire ici la puissance de 1 bar sur 1 dans son mouvement par rapport à 0, c'est la somme. Et donc, c'est égal CM alpha point moins MG L sur 2 alpha point cosinus alpha. Ou bien, c'est égal aussi alpha point facteur de CM moins MG, L sur 2, cosinus alpha. Ça, c'est la puissance. Maintenant, question, deuxième question. Ça, c'est la puissance. Deuxième question, question 2. Déterminer quoi? L'énergie cinétique de 1 dans son mouvement par rapport à 0. J'ai oublié peut-être ici de rajouter une chose, que pour pouvoir appliquer par la suite le théorème de l'énergie cinétique, il faut préciser ici R0 est galilien.
D'accord. Donc là, déterminer l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique de 1 dans son mouvement par rapport à Z, qui peut me répondre? L'énergie cinétique de 1 par rapport à 0. 1 est animé ici. Qui veut répondre? Vas-y. L'intégrale de la puissance. Non, on va pas utiliser plutôt ça, mais on sait comment déterminer l'énergie cinétique. Hein? Plus On a. 1 demi, produit. Oui, vas-y. C'est un demi. 1 demi produit de PA par rapport à R0 fois. Bien. Attendez, je vais faire un petit rappel sur ça. Il ne faut pas donc oublier ça. Est-ce qu'il y a une chose ici? Je vais plutôt écrire ici. Ah, il n'y a rien ici. Je vais écrire ici PC2. Donc, 01, 05. Rien. Alors. Bien. Allez, suivez-moi. Rappel sur l'énergie cinétique. Le calcul de l'énergie cinétique. Vous rappelez bien de ça, j'en suis sûr, mais un comme ainsi. Alors. B. Alors, l'énergie cinétique, OK, c'est égal de S dans son mouvement par rapport à R, c'est égal 1/2 le torseur cinématique de S dans son mouvement par rapport à R, fois le torseur cinétique de S dans son mouvement par rapport à R, au même point A. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est 1/2 au point A. Ici, c'est oméga de S par rapport à R. Et ici, c'est la vitesse de A appartenant à S par rapport à R. Fois le torseur cinétique au point A. Et ici, c'est M, la vitesse du centre d'inertie G appartenant à S par rapport à S et la résultante cinétique. Et ici, c'est le moment cinétique sigma A de S dans son mouvement par rapport à R. Alors, pour calculer l'énergie cinétique dans le cas général, tu te trouves devant ces deux torseurs. Enfin, c'est pas méchant. Mais il y a des cas particuliers. Remarque. Alors, si le solide est supposé de masse négligeable, alors l'énergie cinétique est nulle. Si S est supposé de masse négligeable, alors l'énergie cinétique de S, l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à R est égale 0. Donc il n'a pas de masse, il n'a pas d'inertie, il n'a rien. Ben. Mais il y a des cas particuliers aussi qui peuvent nous aider. Alors, si S est animé d'une rotation pure, vous vous rappelez bien de ça. J'ai bien expliqué ça dans l'amphi. Autour, par exemple, autour, par exemple, de OZ0, maintenant. Avec oméga
Dans ce cas de S, dans son mouvement par rapport à 0, est égal à alpha point Z0. Et C égale I au Z 0 de S. C'est le moment. C'est quoi ça? C'est le moment d'inertie de S dans son mouvement de S par rapport à l'axe OZ0. OK. Dans ce cas particulier, l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à R, c'est égal à combien? C'est 1 demi, c'est alpha point carré. Là, on ne va pas utiliser la puissance pour l'intégrer pour trouver l'énergie cinétique. Non. On sait calculer l'énergie cinétique et on sait calculer la puissance. Et si j'applique le théorème de l'énergie cinétique, je vais retrouver une relation entre les paramètres du système. Entre autres, les actions de l'actionneur et les efforts extérieurs et les caractéristiques du système. D'accord? Bien, je continue. Aussi, donc, si le solide est animé uniquement d'une translation, si S est animé de quoi? Est animé d'une translation pure. Translation pure. S'il est animé d'une translation pure de paramètres, par exemple, de paramètres lambda de t. Ce sont donc en fait des choses qu'il faut absolument retenir. En fait, ce sont des choses qui facilitent énormément la tâche. Alors, dans ce cas, l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à R, c'est égal à 1 demi. M, c'est la masse du solide, fois lambda point carré. Ben, je peux vous donner des exemples. Je l'ai précisé avant. Alors, donc, exemple. Je vous donne, par exemple, la liaison glycière ici. Entre deux solides, S1 et S0. Ça, c'est une liaison glycière. Ça, c'est S1 et ça, c'est S0. Et le paramètre de translation, c'est lambda de T ou bien X de T. Et ça, c'est X0, ça, c'est Y0. Alors ici, l'énergie cinétique tout court, c'est égal l'énergie cinétique de 1 de S1 dans son mouvement par rapport à Z, c'est égal à 1 demi la masse fois X point carré. On est d'accord là-dessus? Là, ça facilite énormément la tâche. Alors, si je reviens maintenant à ce que je suis en train de présenter. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, regardez. Là, qu'est-ce que j'ai? S1, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rotation pure, non? Et donc, l'énergie cinétique ici, c'est égal. 1 demi. Je vais chercher quoi? Le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation, c'est Z0. Donc, le moment d'inertie, c'est celle-là. ML carré sur 3. 1 demi. ML carré sur 3 fois alpha point carré. Voilà l'énergie cinétique. Et je réponds directement, spontanément. Alors, la question numéro 3. On est d'accord là-dessus? Question 3. Oui, monsieur. Très bien. Exprimer Cm en fonction des données du problème. Des données
du problème en utilisant quoi? Le théorème de l'énergie cinétique. D'accord? Alors, le théorème de l'énergie cinétique dit que si je dérive l'énergie par rapport au temps, l'énergie cinétique de S de 1 dans son mouvement par rapport à 0, c'est égal à la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à 1. Moi, qu'est-ce que je connais? Je connais déjà la puissance et je connais l'énergie et donc je peux trouver la relation. Donc la relation, c'est égal, cela veut dire que si je dérive maintenant l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est, je trouve ml carré sur 3, alpha point, alpha 2 point, égale la puissance, égale alpha point, facteur de Cm, moins mg, L sur 2, cosinus alpha. Et là, je simplifie par alpha point. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve finalement l'expression du couple. Alors, Cm égale ml carré sur 3, alpha 2 point, plus mg, L sur 2, cosinus alpha. Ça, on peut tirer aussi cette relation en utilisant une étude carrément. Une étude dynamique. Si j'applique le théorème du moment dynamique en projection sur l'axe Z0 ici, sur l'axe OZ0, je vais retrouver la même chose. On est d'accord là-dessus? Ben voilà une application directe du théorème de l'énergie cinétique. D'accord? Ben maintenant, si vous avez noté, donc ça, je vais passer au cas général. Oui, s'il y a une question, n'hésitez pas. C'est bon? C'est bon, monsieur. Très bien, donc en fait... Monsieur, oui. ml carré sur 6, comme 1,5, l'énergie cinétique. 1,5, donc tu dérives ici, alpha point carré. Ça va te donner 2. Donc le 2, ça s'en va et ça donne une simplification, quoi. Le reste, c'est ml carré sur 3, alpha point, alpha 2 point. D'accord? D'accord, monsieur. Ok. Maintenant, je vais passer à autre chose. Alors, généralisation. Comment je vais généraliser ça? Ben, je vais essayer d'utiliser une autre page pour montrer ça. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je pense que j'ai utilisé la nouvelle session 6. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais généraliser ça ici. Alors, je vais généraliser ça ici. Alors. Alors, je vais généralisation du théorème de l'énergie cinétique pour le cas d'un ensemble de solides. Alors, généralisation. Du théorème de l'énergie cinétique. Pour le cas d'un ensemble de solides. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par un exemple. Exemple. Puis on va généraliser. Exemple simple. Je vais prendre ça, c'est 0. Je vais prendre ça, c'est 1, et ça, c'est 2. Il y a une liaison ici, une liaison ici, et une liaison ici. Ça, c'est L1, 2, ça, c'est L0, 2,
Et ça, c'est L01. D'accord? Je vais prendre ici comme système d'étude 1 et 2. Je vais isoler 1 et 2. Ça, c'est mon système matériel sigma. Il est formé par 1, 2. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais rajouter les actions mécaniques. Donc, je vous donne le diagramme de structure ici. Donc là, je vais utiliser des actions mécaniques qui proviennent de l'extérieur. Alors, je vais prendre ça. Alors, il y a une action qui provient de l'extérieur ici, c'est F extérieur. Et il y a l'action du moteur qui s'exerce sur A. D'accord? Et il y a aussi l'action de la pesanteur G. Voilà. Maintenant, je veux ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a déjà fait, c'est pour le cas d'un seul solide. Donc on sait appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour le cas d'un seul solide. Alors, regardez bien. L'énergie cinétique de sigma dans son mouvement par rapport à R0. Ici. Donc, dans ce cas, c'est la somme des énergies cinétiques. On est d'accord là-dessus? C'est la somme des énergies cinétiques. Donc là, c'est l'énergie cinétique de 1 dans son mouvement par rapport à R0, plus l'énergie cinétique de 2 dans son mouvement par rapport à R0. Là, si je dérive par rapport au temps de l'énergie cinétique de sigma dans son mouvement par rapport à R0, c'est égal à somme des dérivés, c'est la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de 1 dans son mouvement par rapport à R0, plus la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de 2 dans son mouvement par rapport à R0. On est d'accord là-dessus? Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique, là je peux écrire la chose suivante. Donc c'est égal à la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à 1, dans le mouvement de 1 par rapport à R0, plus la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à 2 dans le mouvement de 2 par rapport à R0. On est d'accord là-dessus. Maintenant, donc, si je reviens ici, je vais regarder le 1 bar. 1 bar ici, c'est quoi? Vous avez 0, vous avez 2, vous avez le moteur et vous avez G. D'accord? Donc là, il y a 4 puissances qui proviennent de l'extérieur. Pour 1 bar. Donc, je vais énumérer ça cas par cas. Je vais utiliser la couleur, par exemple, rouge pour 1. Donc, c'est égal à ensemble. Donc, c'est égal à la puissance de 0 sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à R0, plus la puissance du moteur sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à R0, plus la puissance de G sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à R0, plus finalement la puissance de 2 sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à R0. Maintenant, je vais utiliser une autre couleur pour le solide 2. Pour le solide 2. Donc, plus quoi? La puissance de 0 sur 2 dans le mouvement de 2 par rapport à R0, plus la puissance de 1 sur F extérieur sur 2 dans le mouvement de 2 par rapport à R0, plus la puissance de G sur 2 dans le mouvement de 2 par rapport à R0, plus la puissance de 1 sur 2 dans le mouvement de 2 par rapport à R0. Voilà, j'ai terminé. Il y a aussi, donc si je veux regarder ici deux barres, en fait, c'est 0, 1, F extérieur et G. Voilà. Donc là, si j'analyse bien ces trucs, alors qu'est-ce que je vais utiliser? J'utilise ça. Si j'analyse ça, vous voyez ici le 0 et le moteur et F extérieur. Et G. Ça, ce sont quoi?
0, le moteur extérieur et G, ce sont les actions mécaniques extérieures à sigma. Donc, si vous essayez ici d'écrire sigma bar, ici, sigma bar, n'oubliez pas que sigma, c'est tout ça. C'est ça, sigma. Sigma bar, c'est 0, le moteur, G et F extérieur. D'accord? Donc là, tout ça, ce que j'ai écrit, c'est 6 puissances. Tout ça, c'est les puissances développées par les actions mécaniques extérieures sigma. Donc, c'est puissance de sigma bar sur sigma dans le mouvement de sigma par rapport à R0. Plus, qu'est-ce qui reste ici? Alors là, j'attends votre réponse. Que peut-on dire de cette puissance? La puissance de 1 sur 2 dans le mouvement de 1 par rapport, de 2 sur 1 et de 1 sur 2. Si je fais la somme de ces deux, qu'est-ce que ça donne? Puissance mutuelle entre 1 et 2. Très bien, c'est ça. C'est plus la puissance mutuelle entre 1 et 2. Voilà, c'est pour ça donc j'ai présenté cette partie. D'accord? Donc voilà. Donc là, en fait, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, donc en conclusion, soit finalement, je peux écrire ça. Donc, soit finalement, donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de sigma dans son mouvement par rapport à R0 qui est supposé égal à rien, c'est égal à la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à sigma, mais attention, plus la puissance intérieure à sigma. Dans notre cas ici, dans ce cas, la puissance intérieure à sigma, c'est égal à la puissance mutuelle entre 1 et 2. Et la puissance mutuelle entre 1 et 2. D'accord? Et c'est pour ça, donc en fait, si je reviens ici et si je donne la généralisation, c'est là. Alors, c'est là. Alors, la généralisation, donc, la puissance généralisation par un système formé par plusieurs solides. La dérivée de l'énergie cinétique, là j'ai noté l'énergie cinétique par T, c'est pas méchant, donc c'est E, c'est, si vous voulez. C'est la puissance développée par les actions mécaniques extérieures plus la puissance intérieure sigma. Avec la puissance intérieure, c'est la somme des puissances mutuelles entre SI et SG. Bon, voilà, vous essayez de voir. S'il n'y a pas une liaison, il n'y a pas de puissance mutuelle entre les deux. On est d'accord là-dessus? Donc voilà, c'est ça, j'ai terminé. Ça, c'est le problème que j'ai corrigé avec vous tout à l'heure. Donc maintenant, je vais passer à faire avec vous un exercice. Alors, là, je vais passer. Je vais essayer de prendre. On est là. Donc voilà, on est là. On peut passer ici. Je vais changer de. Affichage, je vais ajouter réglure, je vais prendre celle-là et je vais. Ah, c'est pas de. Je vais prendre un TD. Je vais corriger ce TD. Donc, rappelez-moi, je vais partager avec vous ce que je viens de faire dans la partie énergétique avec vous. Donc, je vais aussi partager avec vous la vidéo. Donc, très bientôt. Alors, je vais prendre ça. Est-ce que je peux écrire directement ici? Là, c'est intéressant. Là, je peux répondre directement ici. Là, je n'ai pas déjà arrivé pour copier. Alors, donc là, je vais essayer de prendre tout ça. Je ne sais pas ce que je peux tout prendre. Ça, c'est
Maintenant, je vais... Alors, ça, c'est... Bon, je vais... Ah, c'est bon, donc, je vais... Et je vais revenir ici, et voilà. J'entends un peu, donc je suis en train de créer des idées sur OneNote. Si ça ne marche pas, je peux changer d'approche. Voilà, voilà. Alors, je pense que c'est bon, j'ai fait ça. Alors, c'est pas très bien rédigé, mais ça marche. Ça marche pas du tout. Donc je vais refaire le truc. Je vais supprimer ça. Alors je vais faire quoi? Je vais non, c'est pas ça. Insertion, impression. Voilà, ça marche. Voilà, donc en fait, Ah, voilà. Ah, CD. Je vais partager ça avec vous. Je partage ça avec vous, non? Vous voulez que je partage ça sur la conversation? Oui, la conversation. Oui, monsieur. D'accord. Alors, Amine, il y a beaucoup d'absences. Hein? Ok. Le mal fait, j'ai pas pu le mettre parce que en fait, j'avais un problème aussi avec Teams, mais j'ai essayé ce matin, ça marche. Donc, je vais faire 3 séances. 2 séances, une automatique, une énergétique, et puis aussi. Je pense, une séance automatique. Alors, je vais faire ça. Je vais enregistrer sous un PDF. Je partage avec vous un PDF. Ah, voilà.
C'est bien ça. C'est parti, c'est bon. Alors, je commence avec ce TD. Alors, trappe de désenfumage. Donc, trappe de désenfumage, c'est une porte de désenfumage équipée d'un système qui s'ouvre spontanément lorsqu'il y a du fumée. Alors, l'exercice. Ah, d'accord. Voilà. La trappe de désenfumage. Donc, l'exercice porte sur l'étude du mécanisme d'ouverture d'une trappe. Ben, c'est basique. Maintenant, vous savez lire un schéma cinématique. Je passe directement. Le système est formé par quoi? Il y a le bâti. Donc, il intervient ici à ce niveau. Il y a donc en fait le bras 1, la roulette 2 et le colisseau 3. Ben, si vous faites le graphe de liaison, bon, je fais n'importe quoi ici, bon, c'est pas lié avec le. C'est pas n'importe quoi, mais en fait, j'ai peur qu'il y ait des gens. Parfois, on vous demande ça. Alors, si je mets en place le graphe de liaison, vous avez ici 0. Le 0, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une liaison avec 1. C'est quoi cette liaison? C'est liaison pivot d'axe OZ0, il faut écrire ça comme ça. Vous avez une liaison entre 1 et 2. C'est liaison aussi pivot d'axe AZ0. Vous avez une liaison avec 3. C'est quoi cette liaison? C'est liaison ponctuelle de normal IY0. Il y a une liaison entre 0 et 3. C'est quoi cette liaison? C'est une liaison glissière d'axe CY0. Bon, voilà. Donc là, donc en fait, ce qui est demandé ici, tout d'abord, il y a une partie cinématique comme vous voyez ici. Une partie cinématique, on vous demande de déterminer oméga de 1 par rapport à 0. Alors, je commence. Oméga de 1 par rapport à 0. Qui veut répondre? C'est alpha point Z0. Oméga de 2 par rapport à 0. Il faut voir le paramétrage. C'est oméga de 2 par rapport à 1. Vous voyez ici. Z0, c'est ça. Parfait. C'est ça. C'est bien ça. Donc c'est alpha point plus bêta point. Z0. Et finalement, oméga de 3 par rapport à 0, c'est égal. 3, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est une translation, non? Donc, c'est égal à 0. 0. C'est bien 0. Très bien, c'est ça. Alors, ça, c'est une question basique. Alors, déterminer le vecteur vitesse de glissement au point I de la roulette 2 par rapport au plateau 3.
ou par rapport au collisement. Donc, on va étudier la condition de roulement sans glissement ici. D'accord? Cela veut dire quoi? Je vais dire comment je vais l'étudier ici. Donc, la vitesse de glissement, la vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 3 égale le vecteur nu. Ça, c'est la détermine le vecteur vitesse de glissement. Non, ce n'est pas la condition, mais c'est plutôt le vecteur vitesse de glissement. Donc, c'est égal. Là, pour le calculer, qu'est-ce que je fais? J'intercale 0. Donc, c'est égal. La vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 0, moins la vitesse de I appartenant à 3 par rapport à 0. Alors, je vais commencer avec la première vitesse. La vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 0. Donc là, pour calculer cette vitesse, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais... Dérivée, là, il faut éviter de faire la dérivée. Là, c'est un point très dangereux. Donc, c'est un point de contact. Là, oh, il y a trois points qui viennent se superposer. Il y a un point. Donc, si je fais zoom ici. Je vais faire 2 par rapport à 0, monsieur. Oui, 2 par rapport à 0, oui. Attends, je t'explique. Je fais le zoom. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est un point géométrique, point I dans l'espace. Ça, c'est le point I qui appartient à 2. Et ça, c'est le point, donc soi-disant, I qui appartient à 3. Donc là, il y a trois points. En tout, il y a trois points qui viennent se superposer. Là, donc, si tu vas diriger, tu vas trouver plutôt la vitesse de ce point. Ce n'est pas la vitesse de I appartenant à 2. Et donc, là, il faut faire attention. Il ne faut pas absolument dériver ici. D'accord? Il ne faut pas absolument dériver ici. Ça, c'est vraiment un point très dangereux. Donc là, tu vas trouver une chose qui n'est pas correcte. Alors, je te conseille, là, lorsque je parle de point I appartenant à 2, tu vas chercher un point qui appartient à 2, tu vas chercher à passer par ce point. D'accord? Le point A, tu vas dire, c'est la vitesse de A plus oméga vectoriel AI ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est clair. Donc là, tu vas dire, c'est la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0 plus oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel AI. La vitesse de A n'est pas nulle, mais là, on sait calculer ça. On sait calculer ça. Alors, essayons de voir la vitesse de A. La vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0. Par ailleurs, là, tu peux dériver, si tu veux. Parce que A n'est pas un point dangereux. C'est le centre des liaisons et je peux dériver. Mais aussi, je peux utiliser la composition et puis la méthode champ du vecteur vitesse. Tu peux dériver le vecteur OA comme tu peux passer par intercaler 1 puis passer par O. Alors, je vais faire la passerelle composition. C'est égal à la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 plus la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Car A est le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 1, ou bien on peut dire A est le centre de la liaison pivot entre 2 et 1. Tu peux dire ça. Et là, je me trouve avec vitesse de A. Là, je peux, donc, dans ce cas, passer par un autre point, c'est le point O. Là, puisque au lieu de calculer la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0, je me trouve avec la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Et là, je peux passer par O. Et la vitesse de O est nulle, là. Donc, je peux écrire ça. C'est égal à la vitesse de O appartenant à 2 par rapport à 1, plus oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel OA. Et ça, c'est égal à 0, car O est le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 1, ou bien c'est le... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oméga de 2 par rapport à 1. Pardon, là, qu'est-ce que je... Non, oméga de 1 par rapport à 0. Là, qu'est-ce que je raconte? Là, excusez-moi. Je fais une bêtise. Je n'ai rien dit.
Là, je me trompe avec le premier morceau. Regardez, voilà, c'est égal, là je parle de ce morceau, hein. C'est égal à la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0 plus oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel OA. Excusez-moi, c'est ça, c'est bien ça. Alors, donc la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0 dans ce cas, ça c'est égal à 0, on est d'accord là-dessus. Donc oméga de 1 c'est alpha point de t z0 vectoriel OA, c'est A, OA, il faut voir l'énoncé, il faut voir le paramétrage. OA, 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 c'est égal, c'est LX1. On est d'accord là-dessus? C'est bien LX1. Donc c'est LX1. Vectoriel LX1. Donc c'est égal à L alpha point Y1. Ensuite, je reviens ici. Maintenant, j'ai calculé ça. Qu'est-ce qu'il reste? C'est juste à calculer ce morceau. D'accord? Ce morceau. Alors, oméga. De 2 par rapport à 0, vectoriel AI. Oméga de 2 par rapport à 0, c'est égal à combien? Oméga de 2 par rapport à 0. C'est égal. Oméga de... Hein? Voilà, donc oméga de alpha point plus bêta point, voilà, z0, vectoriel AI. AI, c'est combien? AI. AI, c'est, il faut voir l'énoncé. AI, c'est moins RY0. Donc voilà, c'est moins RY0. Vectoriel. Moins RY0, c'est égal, moins R, alpha point plus bêta point, Z0 vectoriel Y0. C'est moins x0. Donc, c'est x0 avec x et moins. Et donc, là, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Donc, finalement, j'ai trouvé la vitesse de i appartenant à 2 par rapport à 0 égale L alpha point y1 plus r facteur de alpha point plus bêta point x0. On est d'accord là-dessus? Mais il me reste encore la vitesse de i appartenant à 3 par rapport à 0. Maintenant, je vais calculer cette vitesse. La vitesse de i appartenant à 3 par rapport à 0. Alors, la vitesse de i appartenant à 3 par rapport à 0. Alors, je reviens au schéma cinématique pour comprendre un petit peu ça. Alors, la vitesse de i appartenant à 3 par rapport à 0. Là, je parle de 3. Alors, là, le 3, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une translation. Une translation pure. Donc là, il n'y a pas vraiment. Oméga, on est d'accord, c'est égal à 0. Et ça, c'est le point I appartenant à 3, c'est un point dangereux, il faut s'éloigner. Alors, je pense que je vais passer au point B, puis je dérive. Donc là, je peux écrire facilement. La vitesse de I appartenant à 3 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 0. Égal, plus oméga 3 par rapport à 0 vectoriel bi est égal la dérivée par rapport au temps, donc au visible de OB dans R0. J'évite, comme vous voyez ici, j'évite de dériver OI parce que I est un point dangereux, c'est le point de contact et si je dérive, je ne vais pas trouver la bonne chose. Donc là, OB. OB, c'est si vous regardez ici le schéma cinématique, OB. OB, c'est OC plus CB. OB, OC, c'est L0, X0, plus CB, c'est lambda de T, Y0. Donc, si je dérive ça, je vais retrouver lambda point Y0. C'est lambda point Y0. C'est lambda point Y0. C'est égal lambda point de T, Y, Y0. D'accord?
Donc, soit finalement, donc la vitesse de glissement, la vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 3, c'est ça, hein? C'est égal. Alors, L alpha point Y1 plus R alpha point plus bêta point X0 moins lambda point de T Y0. C'est bien ça. C'est ça, donc en fait, le vecteur vitesse de glissement, mais là, je pense qu'on a déterminé la condition de roulement sans glissement. Alors, là, donc en fait, j'ai terminé, mais je vais essayer de répondre sur la condition de roulement sans glissement. Là, je vais, la condition de roulement sans glissement, qu'est-ce que ça donne? Cette vitesse est nulle. Hein? La vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 3 est égale le vecteur nul. Et là, je vais prendre toute cette équation et je vais dire que c'est égal à 0. Donc, L alpha point Y1 plus R alpha point plus bêta point X0 moins lambda point de T Y0 égale le vecteur nul. Et ça, qu'est-ce que ça va donner? Je vais projeter dans R0. Donc, je vais projeter dans R0, c'est L alpha point. Je projette Y1 plus R alpha point plus bêta point moins lambda point de T égale 0, 0. Là, je vais projeter dans R0. Donc, en fait, dans R0, je veux dire dans le plan. Hein. Alors là, donc, je vais projeter Y1. Je vais revenir ici pour voir Y1. Y1, c'est là. Ça, c'est Y1. Et ça, c'est alpha. Ça, c'est Y1. Alors, Y1, c'est égal à cosinus alpha Y0 moins sinus alpha X0. Donc là, c'est moins sinus alpha ici. Cosinus alpha. Et donc, ça c'est moins L alpha point sinus alpha plus R alpha point plus bêta point égale 0. Et là c'est L alpha point cosinus alpha moins lambda point de T égale 0. Et là donc en fait j'ai, voilà, donc en fait j'ai les deux équations, une et deux. D'accord? Voilà. Maintenant, mais attention, là, je peux tirer de très belles choses ici. C'est quoi? Donc, vous allez comprendre par la suite pourquoi. J'ai répondu déjà sur la question, ça. J'ai répondu sur ça. Donc, en fait, j'aurais bien ici exprimé lambda point et bêta point en fonction de alpha point. Vous savez ici, c'est quoi l'entrée de votre système? Et l'entrée, c'est alpha point. Donc, moi, je vais appliquer ici un couple moteur pour faire fonctionner le système. Et donc, moi, je chapeaute alpha point. Et donc là, je vais tout exprimer en fonction de alpha point. Alors, juste ici, vous n'êtes pas censé de faire ça, mais là, on peut dire que lambda point de T c'est égal à L alpha point cosinus alpha. Et là, je vais exprimer aussi alpha point plus bêta point. Vous allez comprendre ça pourquoi. C'est égal à L sur R alpha point sinus alpha. Et voilà. D'accord, donc bien. Bien, donc c'est ça. C'est bien ça. Maintenant, il y a une partie énergétique. Là, donc, en fait, j'ai fait une partie cinématique. Ça n'a rien à voir avec. Mais en fait, c'est très utile, surtout à ce niveau. Vous allez comprendre que ça, c'est de grande importance. D'accord? Donc, là, je vais passer à la partie énergétique. J'essaie de dire un peu ça.
énergétique là. Donc en fait, on rajoute les matrices et on rajoute tout. Dans cette partie, on rajoute les hypothèses suivantes. La matrice d'inertie de 1, la matrice d'inertie de 2, là donc 1, j'ai rajouté aussi la masse, j'ai rajouté la position du centre d'inertie, là j'ai rajouté la masse de 2 et j'ai rajouté la matrice d'inertie, pour le 3, j'ai donné que la masse parce que 3, il est animé d'une translation, et j'ai rajouté aussi les actions mécaniques extérieures, donc là c'est l'action du moteur et là c'est l'action de la extérieure sur la trappe. Et là, j'ai dit qu'il y a roulement sans glissement au point I, mais attention, là, donc en fait, le coefficient de frottement vaut F, il y a le frottement. Et là, vous avez en fait le système d'équation, le système, pardon, est formé par 1, 2, 3. Donc en fait, et puis l'action de la pesanteur, c'est important, ça va simplifier énormément la tâche. Toutes les liaisons, attention, ici, toutes les liaisons sont supposées parfaites, sauf. Toutes les liaisons sont supposées parfaites, sauf la liaison ponctuelle. D'accord? Alors, je vous donne ce que je vais vous donner. Donc, en fait, la question est la suivante. Déterminer l'énergie cinétique du segment dans son mouvement par rapport à R0. Déduire le moment, essayant de faire le premier morceau. Déterminer, calculer l'énergie cinétique. Alors, c'est quoi l'énergie cinétique ici? Ah ben, a priori, vous allez dire que c'est la somme. L'énergie cinétique de sigma dans son mouvement par rapport à R0, c'est égal à l'énergie cinétique de 1 dans son mouvement par rapport à R0, plus l'énergie cinétique de 2 dans son mouvement par rapport à R0, plus l'énergie cinétique de 3 par rapport à R0. Alors, essayez de réfléchir un tout petit peu sur ça, parce que, donc, là, donc, en fait, il faut, ça, c'est une question classique. Souvent, on vous demande ça. Il faut bien savoir déterminer ça. Alors, parmi ces trois morceaux, il y a deux morceaux qui se calculent très rapidement. Faire application directe de la formule. Est-ce que vous pouvez répondre sur ça? Donc, il y a le 1, le 2 et le 3. Je peux vous montrer le schéma cinématique. C'est là. À déterminer l'énergie cinétique de l'ensemble. 1, 2 et 3. Y a-t-il une énergie cinétique qui est nulle? Ben, si je regarde l'énergie cinétique de 1, 1 est animé de quoi? D'un mouvement de rotation? Oui, vas-y. D'un mouvement de rotation pur, hein, Kaola? Et donc, l'énergie cinétique de 1 par rapport à 0, c'est égal à quoi? Donc, 1, il est animé d'un mouvement de rotation autour de quoi? Autour de Z0. Donc, je vais utiliser C1. Donc, l'énergie cinétique, puisqu'il fait une rotation pure. Donc, c'est 1 demi C1, alpha point carré. Alors, donc ici, A est animé d'une rotation pure. Donc, l'énergie cinétique de 1 dans son mouvement par rapport à 0, c'est 1 demi C1, alpha point carré. L'énergie cinétique de 3 par rapport à 0. 3 est animé de quoi? Oui. 3 ici, il fait une translation pure. De paramètre quoi? De paramètre lambda. Donc ça, c'est lambda. Donc l'énergie cinétique de 3. Sachant que 3 est de masse, j'ai rajouté ça. Et de masse, M3. 3 est de masse, M3. D'accord? Donc, l'énergie cinétique ici, c'est égal à quoi? Vous voyez, donc en fait, ce n'est pas difficile de calculer cette énergie cinétique. C'est égal à 1 demi, M3, lambda point, K.
carré. T1 de V, 1 3, lambda point carré. D'accord? Et l'énergie cinétique de 2 cette fois-ci par rapport à 0. C'est égal à quoi? L'énergie cinétique de 2 par rapport à 0. C'est égal, ou bien voir 2, est-ce que c'est un cas particulier? 2, l'énergie cinétique de 2 par rapport à 0. L'énergie cinétique de 2 par rapport à 0. Donc 2, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un mouvement quelconque, donc on applique le théorème général de l'énergie cinétique. Donc ça va être 1 demi, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile. Hein? C'est égal 1 demi, le torseur cinématique de 2 par rapport à 0, fois le torseur cinétique de 2 par rapport à 0. Et je vais utiliser son centre d'inertie, parce que ça va m'aider beaucoup à calculer le torseur cinétique. D'accord? Donc là, le torseur cinématique. Or, le torseur cinématique de 2 par rapport à 0, c'est égal à combien? Donc, oméga de 2 par rapport à 0, c'est alpha point plus bêta point Z0. Et au point A, la vitesse de A, je l'ai calculé, c'était L alpha point Y1. Voilà. Le torseur cinétique au point A, donc c'est M, vitesse de A, donc c'est M2 L alpha point Y1, c'est la même chose que ça. D'accord? Et puis, le moment cinétique, sigma A. N'oublie pas que A est le centre d'inertie, c'est un cas particulier ici. Alors, si je calcule sigma A, vous rappelez bien, sigma A, le moment cinétique, c'est égal, donc, tout court, la matrice d'inertie, IA de 2, fois oméga de 2 par rapport à 0. D'accord? Et donc, sigma A de 2 par rapport à 0, c'est la matrice d'inertie au point A de 2 fois oméga de 2 par rapport à 0. D'accord? Et donc là, c'est carrément, donc, si je calcule IA de 2 fois oméga de 2, mais vous rappelez bien de IA de 2, c'est là, donc en fait, je peux continuer ici. Donc, ça va être A2, 0, 0, 0, B2, 0, 0, 0, C2. Et là, donc, dans R2, fois, donc, oméga de 2 par rapport à 0. Donc, c'est 0, 0, alpha point, plus bêta point. D'accord? Si vous faites le calcul, ça va me donner C2, alpha point, plus bêta point, Z0. Vous voyez? Donc, ça, c'est un calcul simple. Donc, ça va me donner, donc, dans ce cas, un truc comme ça. Et donc, on essaie toujours de simplifier les choses. C2, alpha point plus bêta point, Z0. Ben, qu'est-ce que ça va me donner ici? Ça va me donner, donc, là, ça va me donner, n'oubliez pas le 1,5, je l'ai oublié déjà. 1,5, donc, L carré, M2, L carré, alpha point carré, Y1 scalaire Y1 c'est 1 plus 1 demi c'est 2 alpha point plus bêta point au carré. Alpha point plus bêta point au carré. On est d'accord là-dessus? Et là, qu'est-ce que je peux écrire ici comme énergie cinétique? N'oubliez pas que je me rappelle très bien que j'ai déterminé ces deux relations. Voilà, vous rappelez bien de ces deux relations. Là, je peux revenir ici. Il y a une énergie cinétique qui est exprimée en fonction de lambda point. Et là, je peux l'écrire carrément en fonction de alpha point. Ça va être 1 demi, 1 tiroir. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour lambda point? C'était L, j'ai oublié. C'est L alpha point, cosinus alpha. Je vais la remplacer comme ça. Donc, ça va être L carré, alpha point carré, cosinus carré alpha. Et là, j'ai alpha point, c'est bon, mais là, j'ai une expression en fonction de alpha point plus bêta point.
Donc, je peux tout exprimer. 1 demi M2 L carré alpha point carré plus 1 demi C2. Mais alpha point plus bêta point, c'est par ailleurs, c'est exprimé ici en fonction de L sur R alpha point sinus alpha. L sur R alpha point sinus alpha. L sur R, ça va être donc L carré sur R carré alpha point carré sinus carré alpha. Ah, ça c'est formidable. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Là, on remarque que les trois énergies sont exprimées en fonction que de alpha point. Mais alpha point, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire du moteur. D'accord? Et c'est l'entrée du système. Donc là, je peux tout exprimer. Vous n'êtes pas censé, mais là, donc, je prépare pour parler d'autre chose. Parce que là, j'ai dit déduire son moment d'inertie équivalente, ramener sur l'axe moteur. Ramener sur l'axe moteur, cela veut dire exprimer toute l'énergie cinétique en fonction que de alpha point. Mais dans la plupart des exercices, dans les concours tunisiens, on ne cherche pas vraiment ça, sachant que c'est dans le programme pour déterminer l'énergie cinétique, le moment d'inertie équivalent. Maintenant, si je résume, voilà, l'énergie cinétique, donc de sigma dans son mouvement par rapport à R0, c'est égal à 1 demi alpha point carré facteur 2. De quoi? Facteur de M3 L carré cosinus carré alpha, ça c'est le premier morceau, donc je parle de ça. Et puis, je vais plus attendez, je vais effacer tout ça. Hein. Je vais regarder tout d'abord l'énergie cinétique de 1. Moi, j'ai oublié ça. L'énergie cinétique de 1, c'est 1 demi, c'est 1 alpha point carré. Donc, si je mets alpha point carré en facteur, qu'est-ce qui reste? Donc, il me reste ça. Alors, je vais changer. Allez. Alpha point, ça va me rester, c'est 1. Plus M3 L carré cos carré alpha, n'est-ce pas, c'est ça, hein? Regardez bien ça. Plus M3 M2 L carré plus C2 L carré sur R carré sinus carré alpha. Et donc, au bout du fil, l'énergie cinétique, je peux l'écrire comme ça, hein? C'est 1 demi. J équivalent alpha point carré avec J équivalent égale C1 plus M3 L carré cos carré alpha plus M2 L carré plus C2 L carré sur R carré sinus carré alpha. Bon, voilà, donc en fait, pour ce truc. Alors, je vais plutôt continuer la puissance. Ah, voilà. Maintenant, déterminer la puissance des efforts intérieurs à sigma. Puissance intérieure à sigma. Si vous regardez comment on calcule la puissance intérieure à sigma, pour voir les puissances mutuelles. Qui peut me répondre sur ça? Je vous montre le système. Quelles sont les puissances mutuelles? Si je prends, en fait, nous, si je vais isoler ça. Mon système matériel sigma, c'est 1, 2, 3. Et je rajoute une puissance mutuelle. Enfin, si je mets diagramme, graphe de structure, il y a ici l'action du moteur. Et il y a ici l'action de la trappe. Alors, si je regarde, les puissances mutuelles sont ici, à ce niveau, entre 2 et 3 et entre 1 et 2. Alors, la puissance mutuelle entre 1 et 2, c'est égal à la puissance mutuelle entre 1 et 2, plus la puissance mutuelle entre 2 et 3. Pour la puissance mutuelle entre 1 et 2, est-ce qu'il y a l'hypothèse d'une liaison parfaite?
ou bien lire ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici, toutes les liaisons sont supposées parfaites, sauf la liaison ponctuelle. Et donc ici, la liaison entre 1 et 2 est une liaison pivot. Une liaison pivot. D'accord? C'est une liaison pivot. Voilà, donc ici, cette puissance est égale à 0, car liaison parfaite. D'accord? Alors, pour la liaison, pour la puissance mutuelle entre 2 et 3, c'est quoi la liaison, la liaison entre 2 et 3? C'est une liaison ponctuelle. Et cette liaison, il y a le frottement. On a dit que cette liaison, le facteur de frottement vaut F pour cette liaison. Au point I, c'est-à-dire au niveau de la liaison ponctuelle, je parle de ça. Au point I, il y a roulement sans glissement et le facteur de frottement vaut F. D'accord? Donc là, dire la chose suivante. Donc en fait, mais il y a condition de roulement sans glissement. Donc qu'est-ce que je peux dire ici? Cette puissance est égale à 0, car c'est une liaison, il y a condition de roulement sans glissement. Donc ici, au bout du fil, la puissance mutuelle est égale à 0. Donc la question 3 maintenant. Déterminer la puissance développée par les efforts extérieurs à sigma dans son mouvement par rapport à 0. Alors la puissance développée par sigma bar sur sigma dans son mouvement par rapport à R0. Il faut d'abord savoir déterminer sigma bar. C'est quoi sigma bar? Faut bien déterminer sigma bar. Alors je reviens au système pour déterminer convenablement. Déjà, j'ai représenté le graphe de structure ici. Vous avez les actions mécaniques, mais j'ai pas donné l'action de la pesanteur. Donc l'action de la pesanteur, il faut la prendre en considération aussi. Alors, l'action du moteur, le moteur, l'action du 0, l'action de 0 sur 1, l'action de 0 sur 3. D'accord? À regarder. Ici, l'action de 0 sur 3, ça vient ici. L'action de 0 sur 1, l'action du moteur, l'action de G, l'action de la trappe. Voilà, c'est ça l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est donc 0, moteur, trappe et G. Donc, c'est 0. Trappe, moteur, et G. Donc, là, je peux écrire la puissance donc, de sigma bar sur sigma dans son mouvement par rapport à R0. C'est égal à la puissance de 0 sur 1 dans son mouvement par rapport à R0, plus la puissance de 0 sur 3 dans son mouvement par rapport à R0, la stylisant pivot, la stylisant glissière, plus la puissance du moteur sur 1 dans son mouvement par rapport à R0, plus la puissance de G sur 1 dans son mouvement par rapport à R0, plus la puissance de G sur 2 dans son mouvement par rapport à R0, plus la puissance de G sur 3 dans son mouvement par rapport à R0, plus la puissance de la trappe sur 3 dans son mouvement par rapport à 0. A priori, vous voyez qu'il y a plusieurs morceaux. Il faut donc calculer ces puissances, mais ne vous inquiétez pas. Je vous jure qu'il y a plusieurs zéros ici. Alors, regardez bien. Ça, c'est une puissance qui est égale à 0. Idem pour celle-là. Peut-être que vous allez m'expliquer ça. Pourquoi? Qui peut m'expliquer ça? Pourquoi? Pourquoi la puissance de 0 sur 1 dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est nulle?
parce qu'il s'agit d'une liaison parfaite. Et puis aussi, ces trois sont nuls. Pourquoi ces trois sont nuls? Parce que l'action de la pesanteur est perpendiculaire au plan de mouvement de 1, 2 et 3. Si vous regardez ici, G, c'est porté par quoi? G, comme donnée du problème, j'ai dit que G est porté par Z0. G est porté par Z0. Et Z0, il est comment? Perpendiculaire au plan du schéma cinématique. Et donc, les vitesses et les rotations sont perpendiculaires. Et du coup, si je calcule la puissance, je vais trouver 0. Vous pouvez vérifier vous-même ça, si vous voulez. Hein. Alors, donc, là, il ne me reste que deux morceaux à calculer. Alors, je peux noter ça. Donc, la puissance de 0 sur 1 dans son mouvement par rapport à 0 est égale à la puissance de 0 sur 3 dans son mouvement par rapport à 0 égale à 0. Car liaison parfaite, ça c'est 1 de 2, la puissance de G sur 1 dans son mouvement par rapport à 0 égale la puissance de G sur 2 dans son mouvement par rapport à 0 égale la puissance de G sur 3 dans son mouvement par rapport à 0 égale 0, car donc en fait l'action de la pesanteur est perpendiculaire au mouvement. Qu'est-ce qui reste? Il reste la puissance développée par le moteur sur 1 dans son mouvement par rapport à 0. Donc là, je calcule ça. C'est le torseur d'action mécanique du moteur sur 1 fois le torseur cinématique de 1 dans son mouvement par rapport à 0. Je pense qu'on vous a donné déjà l'action du moteur. C'est l'action du courroie. Le courroie est entraîné par une moteur. Donc, je reviens ici dans les hypothèses. C'est où ça? J'ai donné ça où? Donc, c'est là. Regardez ici. J'ai donné le point O. CR1CMZ0. CR1CMZ0. CR1 ici. CMZ0. Au point O. Co-moment avec le torseur cinématique point O, c'est alpha point Z0, 0, et du coup, tout ça, ça va me donner quoi? CM alpha point. Puis, la puissance de la trappe, c'est la porte, hein, sur 3, dans son mouvement par rapport à 0, c'est égal, le torseur d'action mécanique de la trappe sur 3, fois le torseur cinématique de 3 par rapport à 0. Donc là, je vais utiliser, je pense, le point. Ça, c'est donné au point B. C'est ça l'action de la trappe. C'est donné au point B. X, Y, Z, L, M, N. Alors, je vais l'écrire comme ça. C'est égal au point B. X, Y, Z, L, M, N, dans R0, fois le torseur cinématique de 3 par rapport à 0 au point B. Mais 3, qu'est-ce qu'il fait? 3, il fait une translation, vraiment. Au point B, ça, c'est lambda point et 0 pour la vitesse angulaire. Donc là, je vais écrire 0, 0, 0. Et ici, c'est lambda point porté par Y0. Et donc, si je calcule le produit, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ça fois ça. Vous voyez? Et puis, je vais multiplier ça fois ça. Donc, la résultante fois le moment, plus le moment fois la résultante. Qu'est-ce que ça donne? Bien sûr, ça fois ça, ça donne 0, le bleu. Avec le rouge, donc, ça va me donner Y lambda point. Voilà pour vos défis. Je peux dire ça. Donc, la puissance de sigma bar sur sigma dans son mouvement par rapport à 0, c'est égal Y lambda point plus CM alpha point. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? Et je peux tout exprimer en fonction de alpha point, si vous voulez, hein, parce que c'est égal alpha point facteur de CM plus
y, lambda point, c'était L alpha point y, cosinus alpha. Cosinus alpha. Voilà. Bon, finalement, normalement, on va vous demander d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer. Hein? Alors, le théorème de l'énergie cinétique, on dit que dérivé par rapport au temps de l'énergie cinétique de sigma dans son mouvement par rapport à S0, c'est égal à la puissance de sigma bar sur sigma dans son mouvement par rapport à S0, plus la puissance intérieure à sigma. Donc, voilà. Il faut bien calculer la dérivée de l'énergie cinétique ici. Il faut faire attention parce que le moment d'énergie équivalente dépend du temps. Et là, la puissance, on l'a déjà calculée. Et vous, ça, c'est égal à zéro. Donc, vous trouvez le résultat. Bah, si vous voulez, j'arrête ici. Je vais tout ça avec. Donc, je vais. Pardon. Ce lundi, je ne serai pas là, donc en fait, vous aurez d'autres séances, mais j'ai...